chita kounia pour bon chance pour capable causer avec nous. Tant que jeune Samuel dit nous même toi dit parler Seigneur, serviteur y a coûté. En retour, nous va bon gloire, honneur et louange parce que nous prions avec pardon péché nous au nom de Jésus. Nous te lis chapitre la foi qui montre nous qui gros âme bon Dieu ban nous pour permettre nous capable mener toute bataille nous yo. Bon Dieu connaît tout l'ennemi nous gagne pour goumer avec yo. Bon Dieu connaît qui âme l'ennemi si la yo et utilisé pour combattre nous. Et bon Dieu ban nous toutes les âmes de Dieu. Bon Dieu, il y a une grande âme, bon Dieu, bon nous, c'est le bouclier de la foi. Et bouclier de la foi, il bon nous capacité de nous parer tout coup l'ennemi envoyé sous nous. Et bon nous tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, que nous capables d'utiliser pour frapper le malin. Et puis, pour gagner victoire sous lui. Parce que bon Dieu, nous, c'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui t'a voué Jésus, vine by ville pour nous, vine verser sans ni, vine payer des péchés nous. Donc, chapitre la foi, montre-nous une bonne bataille que ancien ont mené avec les outils, ont relé la foi, et parce que ont servi Zam, si là, qui était un gros Zam, Zam qui pas qu'à perdre du bataille, Zam que l'ennemi pas qu'à contrecarrer, parce que ancien ont servi gros Zam, ça. Eh bien, ils ont fait des exploits, ils ont fait des bagailles qui sont extraordinaires. Donc, dans le chapitre de la foi, ils montrent nous que tout le monde a la foi. Mais il y a des gens qui servent la foi pour être capables de jouer une délivrance, pour résoudre les problèmes, pour gagner de grandes victoires, des victoires que, au point de vue humain, il était impossible pour gagner. Mais avec l'amélioration de la foi, ils ont utilisé pour gagner une victoire. Mais la Bible montre nous tout, il y a un monde qui servit la foi pour attirer malédiction, pour porter la mort, pour aller maladie venir sous eux. Et c'est ça que nous joignons dans Daniel chapitre 6. C'est ça que nous joignons dans Daniel chapitre 6, qui montre nous que les satrapes de Babylone ont gagné la foi, ont utilisé la foi. Pour faire des bagailles qui viennent finalement détruire la vie. Tandis que Daniel a utilisé la foi pour la mort qui vient pour prendre l'ennemi qui a frappé, l'ennemi qui a cherché moyen pour éliminer lui. Et puis il a servi la foi pour être capable de gagner la bataille là. Donc la Bible parle nous, il montre nous comme ça. Il y a une grande bataille qui était gagnée entre les satrapes de Babylone et Daniel, le serviteur du Dieu vivant. Il y a une grande bataille qui était gagnée entre les dieux des Babyloniens, les dieux et de satrapes de Darius, et entre le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel, le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est ça que la parole de Dieu lui-même vient montrer nous. Donc, il montre nous d'abord, dans ce chapitre-là, l'interception des satrapes de Darius. Qui ça a été intercepté? Qui ça a été tendu? Eh bien, ça a été ouais. Et on a observé. On a observé les prouesses de Daniel. Grande performance que Daniel lui-même dit bail. Il était observé la supériorité de Daniel. Daniel était un esprit supérieur. Nous jouons ça comme ça, il dit nous ça oui. Dans Daniel chapitre 6, nous dit ça. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête les trois chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur.
Mais surtout observer la supériorité de Daniel. L'esprit de Dieu qui était sous Daniel là, c'est ton esprit supérieur. C'est ton esprit qui t'a fait que monsieur pas qu'à rentrer dans la compétition avec Daniel pour gagner. C'est Daniel qui pour gagner la bataille là. Daniel t'a surpassé monsieur parce que t'es gagné dans l'esprit supérieur. Donc, à cause de ça, à cause de prouesse là, de supériorité Daniel t'a gagné, esprit supérieur que t'a gagné dans lui, donc, et bon service Daniel t'a conduit le roi Darius, eh bien, la Bible dit, le roi t'a gagné, la pensée du roi à l'égard de Daniel. Roi, vinoué que, et si Daniel a bali bon service comme ça, il besoin de mettre Daniel dans position côté Daniel capable bali pi bon service toujours. C'est la pensée du roi à l'égard de Daniel. Faire de Daniel son premier ministre, faire de Daniel son administrateur général, c'était plan ça. Donc c'est ça la Bible montre nous. L'Europe travaille pour mon patron, s'ouvre le patron en bon promotion, il y a un bagaille pour faire qui pour faire patron en bon promotion, c'est pour bali bon service. C'est pour faire l'ouè avantage que la joigne s'il mette en position qui pi haut. Parce que plus lui élevé en dignité, c'est plus tout la mette en position qu'auto capable de bali pi bon service. Donc c'est ça qui te gagne la caille Daniel, il te bali oua bon service. Et oua te vinoué qui avantage li gagne s'il mette Daniel pi haut dans le gouvernement. S'il fait de Daniel premier ministre, s'il fait de Daniel administrateur général, il a bien plus bon service toujours. Donc, roi, t'es venu en pousser pour lui élever Daniel en dignité, pour te mettre Daniel dans la position côté Daniel capable d'aider, administrer le gouvernement d'une façon pour ne pas subir aucun dommage. Donc, l'interprétation des satrapes de Darius. Interprétation des satrapes de Darius, il était que roi a un projet pour placer Daniel, le captif de Babylone et le captif de Juda, au-dessus de tout, en haut tête de tout, mais sur une position qui est gros. Et il regardait ce plan, roi a gagné comme un grand mal. Parce que yo même yo là c'est yo qui natif natal pays ya et puis même wa vle pour étranger moun vini hein? Et puis pour le faire moun vini ça vini chef sou yo donc monsieur vin gen intention de satrape de Babylone c'est pour chercher un moyen pour révoquer plan wa premier côté y a chercher un bagaille pour faire wa pas mettre Daniel dans position, c'est dans les affaires du royaume même. L'administration, il a battu pour Daniel conseil, pour le faire coquin, pour le faire fraude, pour le faire mauvais bagaille, et pour servir ça comme un moyen pour accuser le devant le roi, pour montrer le roi que Mounsila livre mettre dans position, livre les promotion, son mauvais mounier, son mauvais serviteur lié, parce que c'est Moun qui a gaspillé l'argent roi, c'est Moun qui a servi position pour lui capable et mettre du foin dans ses bottes, c'est-à-dire pour régler les affaires li. Donc c'est ça. Messieurs, tu fais plan pour faire. Il a cherché l'occasion pour accuser Daniel dans les affaires du royaume. Et pour quelle raison il a voulu accuser Daniel dans les affaires du royaume? C'est pour te faire roi changer plan que tu as gagné en faveur de Daniel. Pour te faire roi, ouais, c'est un mauvais et plan qui a gagné. L'elle pensait pour bailler Daniel promotion, pour mettre Daniel Piro. L'elle croit que Daniel son monde sérieux et Daniel pas tes monde sérieux vrai. Donc, nous parler de l'insatisfaction des satrapes de Darius. Malgré tout ça qu'ils ont fait pour prendre Daniel dans le piège dans l'administration, ils ne sont pas capables de prendre Daniel dans le piège. Parce que Daniel, c'est un homme intègre qui était craintif pour bon Dieu et qui était craintif pour le roi, qui était connu là où il le travail pour faire. C'est bon service pour le bail, s'il veut promotion, s'il veut considération de la part de son chef. Donc, nous avons échoué totalement dans l'effort que nous avons fait pour accuser Daniel dans les affaires du roi.
Donc, la Bible mettait toute histoire ça devant moi, même avec vous, et pour nous capables de lire, parce que même ce qui était passé dans le temps Daniel, c'est même bagaille qui a passé aujourd'hui à tout. Dans toute sorte d'administration, mounio qui moun à Satan, mounio qui moun et qui croit dans le mal, yo pas vle ouais moun qui moun pas bon Dieu, yo ta vle pour moun pas bon Dieu pas jamais rien, yo ta vle éliminer moun qui pas bon Dieu yo, et y a bat pour faire tout ça qui dépend de yo pour yo ouais si yo a fait que moun bon Dieu va jamais prospérer si on va lever chef yo contre moun bon Dieu pour faire chef yo juger yo pour faire chef yo éliminer yo. Donc dit monsieur t'es gain satisfaction parce que Daniel dit ton nom intègre yo pas capable prendre dans piège yo pas capable prendre dans foudre illumination ça trappe de Darius qui lumière yo vinien. Monsieur dit, ah, nous venons de Daniel, ça a son nom intégré dans les affaires du royaume. Nous ne pouvons pas prendre dans pied. Son seul côté, si pour nous prendre Daniel dans pied, pour nous attaquer, c'est dans les affaires de son Dieu. C'est pour nous chercher une occasion dans les affaires du Dieu de Daniel. C'est là que nous sommes capables de trouver une occasion de chute pour Daniel. C'est là que nous sommes capables de trouver un moyen pour éliminer Daniel. Dans les affaires du Dieu de Daniel, parce que vous connaissez Daniel, c'est pas mon cap fait compromis. Daniel pas vendre mon Dieu là pour l'argent. Bon Dieu, Daniel pas quitter aucun monde faire rien pour pousser lui faire bagaille qui pour détacher de bon Dieu, bagaille qui pour faire bon Dieu lui fâcher avec lui. Implémentation, monsieur, yo, puisque vous venez que c'est dans les affaires religieuses de Daniel. La vie religieuse de Daniel, dans la relation de Daniel avec bon Dieu, le plus de pierre pour lui. Et puis, messieurs, on a décidé pour faire un jeu truqué. Jeu truqué, il y a les côtés le roi. Il dit le roi pendant 30 jours. Et nous, tous chefs, nous avons senti que c'est pour nous une bonne promotion. C'est pour nous faire devenir Dieu. Et laissez-vous qui Dieu, tout le monde qui a prié pour vous faire. C'est à vous même pour adresser prière. Et si moun sa, et là nous fin fait décret pour fort Dieu, ta gagnon moun qui pas met à genou devant vous adorer ou qui pas prier, qui pas adresser prière à vous même, eh bien c'est pour la gagne moun sa dans la force au lion, dans pas lion pour faire lion cap dévorer. Et puis couronnement sa trappe de Darius. Plan yo fait a te réalisé. Y a les côtés le roi, yo mandé le roi pour le roi prendre décret et roi prendre décret et décret, il mettait sop pers avec mède yo sous lui qui montrait que décret irrévocable. Roi pendant 30 jours, c'est roi Darius qui pour Dieu et tout le monde qui a prié ça roi Darius pour prier et sous pas faire prière à roi Darius ou fait là on l'autre Dieu, c'est pour jeter au dans force. Il y a les côtés roi vraiment, il prend roi dans piège là, roi d'accord, il fait décret. Et compensation, ça trappe de Babylone. Compensation, c'est que roi fait décret, vraiment, et puis monsieur barré Daniel a fait prier à un autre Dieu. Monsieur arrêté, après arrêté Daniel, il y a les côtés roi, il dit roi, est-ce qu'on ne peut pas passer son décret dans les. Qui dit que dans l'espace de 30 jours, tout le monde doit adorer ou c'est à vous-même que vous adresser prière ou. Et si un monde t'a pas fait prière à un autre Dieu, excepté à vous-même, c'est pour vous jeter dans la fosse au lion. Ou a dit oui. Est-ce que vous pas passer des créatures qui sont irrévocables depuis que vous barrez au monde, c'est pour la guerre dans la fosse au lion? Ou a dit oui. Et bien, messieurs, dit qu'on est à. Et messieurs, dit. Et nous barrer Daniel, nous sommes captifs de Babylone. Qui ça veut dire? Oui, je dis, voilà, comme ça. On nous regarde, qui ça veut dire? Et je dis ça dans verset 11. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi
et lui dire au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Verset 12 et 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc, nous, messieurs, on prend roi en piège, on fait roi faire loi, pour qui nous avons fait roi faire loi, pour éliminer Daniel, n'est qu'à faire bon travail pour roi. Messieurs, voulez promotion, mais vous pas voulez faire bon travail pour lui. Yo veut éliminer moun k'ap fè bon travail pou wa. Moun k'ap bay wa bon rendement, c'est moun sa même yo veut fè wa éliminer. Donc c'est ça que la parole de Dieu veut faire moi-même avoir comprendre. Nous besoin gagnon wa que moun pas capable virer contre nous. Nous besoin gagnon wa le n'a bal bon service, li capable ban nous toute protection qui nécessaire. Daniel t'a bail bois bon service, mais wa te vle bail Daniel la vie, mais wa li même qui te l'ennemi yo prendre nan piège, yo fè yon loi qui pousse li pour détruire prop Daniel que te vle sauver. Mais le wa arrivé dans position côté, li pa ka faire rien encore pour Daniel. Oua dit Daniel, moi fais tout ça m'est capable pour me délivrer, parce que moi ou innocent, moi méchant, messieurs, c'est méchant, yo raïm, yo raï bon Dieu là, mais moi même pas de capacité pour me délivrer, qu'on a la gueule dans mes bon Dieu là, et me souhaitait que bon Dieu là, qu'on t'a servi avec persévérance là, lui même lui façon pour le sauver. Pour lui délivrer. Amen. Oua, tu connais que bon Dieu qui compte délivrer. Lui-même, lui pas qu'à délivrer Daniel, mais la guerre Daniel dans mes bon Dieu. Est-ce que vous-même, vous avez bon Dieu Daniel là? Pour là, tout le monde qui a fait des marches pour t'aider, ils vont côté, ils pas qu'à faire rien pour la guerre. Mais pour connaître que même si vous voulez jeter, mais Dieu là capable d'accueillir. Bon Dieu là capable de délivrer. Effectivement, oui, là, Daniel dans la fosse lion. Oua, aller la Kali, il n'y a pas qu'à dormir, il est triste. Parce que oui, Daniel est un bon serviteur. Et puis, lui, regardez, c'est lui-même qui quitte monsieur prendre dans le piège pour voir Daniel dans la fosse, dans le pack lion. Oua, pas dormir. D'un matin, bonnet. Oua, aller devant le pack là. Lui, il veut parler avec une voix triste parce qu'il connaît que des poules là, il y a des gens dans la fosse lion. C'est pas facile pour sortir vivant.
Il dit, Daniel, serviteur Dieu vivant, est-ce que bon Dieu, dont tu observes la persévérance là, est-ce que l'idée délivre? Il dit, oui, oh mon roi, vis éternellement, bon Dieu, non, que tu observes, tu es ouais, que je ne fais rien qui mal devant vous. Je ne fais rien qui mal devant ni, et je ne fais rien qui mal tout devant mon saillot qui t'est levé contre moi. Bon Dieu, il t'a voué un lit, vient faire même bouche dans yo, et c'est ça qui fait le lieu, pas de café, absolument rien. Roi content! Et puis il m'a dit, côté messieurs, qui te prend Daniel dans la pierre, là. Et bien, côté, il a arrêté messieurs, avec toute famille, madame Petitio, et puis il fait la guerre dans le paquet. À peine monsieur tombé dans le paquet, lion mangé et brisé toute zone. Et Daniel, il était sorti vivant. Il était sorti vivant. Nous, ça, c'était une lutte. Messieurs, tu as la foi que tu as fait voir la guerre Daniel dans le paquet. Est-ce que tu n'as pas réussi à faire voir la guerre Daniel dans le paquet? Oui, avec la foi, yo te fait voir la gué Daniel dans le patron. Mais messieurs, tu as la foi tout qui dit, pas bon monde qui va rentrer dans le patron pour sortir vivant. Messieurs, pas te croire que si Daniel tombait dans le patron, roi après c'est dans piège au prendre, mais Daniel a mouru. Daniel n'a pas sorti vivant. Mais la parole de Dieu montre nous que Dieu Daniel là, t'es voué ange dit qu'elle fait même bouche. Donc, histoire. Qui saura prendre dans l'histoire si là? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tout le monde a la foi, mais tout le monde n'a pas servi la foi pour faire même bagaille. Il y a des gens qui servent la foi pour délivrer en bas pouvoir du feu. Pour du feu pas kabouler. Je servis avec la foi pour un pouvoir sous lion. Je servis avec la foi pour un pouvoir sous roi Nebuchadnezzar, pour un pouvoir victoire sous grande armée. Mais il y a un monde qui servit la foi pour attirer le mal sur la vie. Je suis capable de servir la foi pour jouer une bonne bagaille, mais je servis la foi pour mal capable de détruire. Eh bien, famille mio. C'est ça que la parole de Dieu voulait faire nous garder. Daniel allait dans l'université, il vient de lauréat. Daniel apprend bien, mais c'est connaissant Daniel, compétent Daniel, c'est ça même qui t'a fait l'ennemi de tuer. C'est une histoire d'un médecin. Et vous voyez dans clinique de campagne. Vous voyez dans clinique de campagne. Les arrivés dans la clinique, là, puisque c'est médecin, les gens qui étaient infirmières, qui étaient là, qui étaient comme responsables de la clinique, là, c'est monsieur Gvini, si vous mettez monsieur chef sous tête, les gens disent, ou à l'université, on prend un plus gros degré qui fait au vini là, pour prendre place, nous. Et ça, les gens fait, les gens disent, coup de poudre. Yo poudré chaise côté la pchita et chambre côté la consulter et puis ça refait yo tuer. Qui ça qui mettait ce qui fait monsieur mourir? Connaissance, compétence rien, c'est ça qui fait perdre la vie. Parce que Daniel avait une compétence, mais si on devait éliminer Daniel, mais Daniel était une police d'assurance qui assurant Daniel de gain, il était assuré li, la caïmoun qui est capable de faire une victoire malgré l'opposition, même les oppositions réussi à faire tout ça le quoi que s'il arrivait à faire la gain victoire. Monsieur Satrapio de Daricio, ennemi Daniel, il était quoi que depuis la gain Daniel dans Fosion, il a gain victoire. Bon Dieu, pas t'empêcher de laguer Daniel dans la fonction, mais bon Dieu, t'es quitté de laguer Daniel dans la fonction pour faire ouais que bon Dieu, Daniel là, c'est bon Dieu qui est capable de ban nous victoire, même l'ennemi, ban nous plus gros coup, il pensait que s'il arrivait ban nous, il est capable de gagner victoire sur nous. Quand même, qui sont à prendre dans les leçons? Qui leçon à prendre dans ça?
Nous avons un bon Dieu qui compte délivrer. Qui bon Dieu lié? Le Dieu de Daniel. On nous l'a tête nous. Dans mes bon Dieu, pour bon Dieu capable de délivrer nous. Que bon Dieu bénisse. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Là que ça n'a pas terminé. Numéro 4 créole, mélodie joyeuse. C'est mon Dieu qui peut nous délivrer. On nous lever camper pour nous chanter quand il ça. Nous dans le monde, là que tout le monde nous invite pour venir joindre nous au Dieu, pour qu'on ait aussi Dieu qui compte délivrer, aussi Dieu qui est capable de changer mal en bien, aussi Dieu, au Dieu qui est capable d'aider nous gagner une bataille. Là, même l'ennemi, dans nos derniers coups qui peut tuer coucou, pour capable de nous victoire. C'est ça qu'on fait pour Daniel avec compagnon Nio. C'est ça qu'on fait pour nous-mêmes. Nous avons nos mains, nous avons chaque monde qui est là dans le monde. Si il y a un dans le service là, qui veut rentrer dans l'ambassade là, qui veut encore rentrer dans Jésus, pour Jésus rentrer dans eux, après le service là, arrêtez ou abjoignez le monde pour prier ensemble à vous. Merci Seigneur pour le moment où nous avons passé ensemble. Merci pour tout le monde qui est venu. Nous invitons à venir. Merci pour le temps où nous avons passé.
dans la présence, nous t'ai adoré, nous t'ai chanté, et puis qu'on en a terminé. Nous l'avons, monsieur policier, nous dans la main, oh Dieu, nous l'avons, mon Dieu, qui dans la justice, dans la main, nous l'avons, docteur, nous dans la main, nous l'avons, tout homme d'affaires, nous dans la main, que grâce soit avec nous. Département développement, oh Dieu, nous prions pour quatre frères, Pierre, Luma, et fait pour petite belle-fille et madame Papite, oh Dieu, qui n'ont situation, c'est seul où vous mettez le dehors. Nous comptons sur que grâce soit pour nous. Nous demandons pardon pour toute faute nous pardonner sa offense. Si vous avez nous avons dit, nous avons dit, on va ajouter pour nous. Si vous avez nous dit, nous avons dit, on va retrancher pour nous. Pour tout ce déjà fait pour nous, Seigneur, soit fait pour nous, qu'on y a, soit fait pour nous, pita. Nous va fidèles pour nous, bon, gloire, loin, parce que nous prions avec pardon, péché nous, au nom de Jésus. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité.